Bonjour Vodé, on a laissé un peu de côté Malenia, et là on va parler à Mélina. Mélania, Mélina. Ouais, attends, je vous montre à la VOD où on est. On est ici. On avait fait un géant ici il y a longtemps. Et voilà, on était venu là et c'était rien passé. Bon bah apparemment j'ai oublié un truc. Et je suis en vocal avec mon frère qui me guide. C'est une autre galère. Longtemps ai-je contemplé l'entre-terre. Le monde a cruellement besoin de Christelle. Et la mort va reprendre ses droits. Es-tu préparé à commettre un péché capital? Ah, franchement, j'en ai fait plein hein, depuis le début. Nous pouvons y aller. J'aimerais que vous attendiez. Ah oui, d'accord, je sais. Bon, voilà, c'est tout. Ça, c'est... Voilà. Ok. C'est bon, je me doute de ce que c'est, mais on va voir. Very well. Oh bien. Permettez-moi de poser mes mains sur vous l'espace d'un instant. En plus, j'ai trop de swag. J'aurais dû mettre mon armure obèse, là. Du coup, mon ventre, il aurait dépassé jusqu'à ses mains. Mais je t'avais dit que t'avais oublié quelque chose ici. Pas du tout. Mais oui, pas du tout. Mais est-ce que je pourrais revenir à Malenia après? Bref, je sais plus au boss que je faisais avant. Je veux pas finir le jeu avant de l'avoir fait. Oh, elle a les mains toutes brûlées! Si ça peut te rassurer... Tu peux pas te bloquer sans ton consentement. Ah d'accord. Oui mais là vu que je viens d'accepter là. Oui mais je sais pas ce que j'ai accepté. Ça sera beaucoup plus clair que ça. Ouais d'accord. Oh arbre monde, les flammes te costumeront. Moi il y a un truc que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il paraît que dans Elden Ring il y a une porte qu'il ne faut jamais ouvrir. Ouais. Et je l'ai jamais trouvée. J'ai pas voulu une soirée où elle était. Bon, t'as compris, c'est ouais. Oui. Pour notre nouvelle dame. Et oui, parce que moi, je voulais le brûler. Je sais pas pourquoi. Parce que ah oui, j'ai décidé d'être super méchante. En théorie, c'est pas méchant comme choix, c'est... Thank you for guiding me here. Merci pour m'avoir guidé jusqu'ici. On va sacrifier Malenia. Je sais jamais comment ils s'appellent tous. Tu l'as niqué? Non, j'ai pas niqué. Mais du coup, je passe un peu à la suite pour changer un peu. Et puis pour peut-être pex encore un petit peu avant de reprendre l'autre là. Melina. Malena. Goodbye. Adieu. Je vois que ça avançait, j'ai eu un espoir. Non, 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 je suis même pas passée en phase 2. C'est beau, ouais, c'est beau, mais c'est un peu triste, j'ai l'impression. En plus, on dort pendant tout ce temps. Avec mon énorme casque. En pierre. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Oh, on est complètement ailleurs, là. C'est la suite. Je l'ai pas fait comme ça, le chaudron. Ah ouais, tu peux faire d'autres choses. Est-ce que tu as fait les... C'est quoi, les belluaires? Non, je sais plus comment ils appelaient ça. Les beffrois. J'en ai fait deux sur les 4 beffrois. Trois sur quatre. J'en ai fait deux, je crois. En fait, les beffrois dans le jeu, il y a un moment donné où t'es clairement dans un endroit comme ça. Et est-ce que tu te rappelles, pendant tout le jeu, tu as croisé des ruines un peu partout? Ouais. Des morceaux de bâtiments qui avaient l'air d'être tombés du ciel. Ah, tombés du ciel, je sais pas, mais de morceaux de bâtiments. Ah, ça faisait, le monde en est cas, en ruine ils... en fait. Oui, mais tu voyais vraiment un style, ce style-là là que t'as face à toi un peu, tu vois, ce style un peu plus joli. J'ai pas fait trop attention. Et t'avais des morceaux de ruines un peu dans tout le jeu, et je m'étais tellement posé la question de savoir bah, d'où ça venait tout ça. Et bah, y a plein de quand dragons. Tu arrives ici, tu le comprends un petit peu quoi.
Waouh, je suis du coup ici. Ok. Moi aussi, j'ai eu un des boss qui m'a causé le plus de soucis. Ah bah super. Même plus que Mélania. Mélania, t'as posé des soucis? Ça va, pas trop. On était sûr. Je faisais un petit peu trop mal, en fait. Mais j'en étais sûr. Y'a quelqu'un t'es en quoi là comme spé? T'as un peu de foi? T'as des trucs? Quoi. À peine, j'en ai pris juste un peu pour avoir un sort de soin qui me permettait de tuer des mobs que j'arrivais pas à tuer sinon. Ah, okay. Et c'est tout. Sinon, vraiment, je suis toujours très focalisé. Machin là. Mais j'ai dû mettre des points en dex pour pouvoir avoir cette épée là. Et encore, j'en ai pas assez. Mais je suis toujours très, très intel, mais je peux pas avoir non plus encore les sorts. Et c'est dans 10 niveaux, c'est dans très longtemps. Les sorts vraiment les plus fous donc. Donc voilà quoi, ruine de Farum Azula. Classe! Alors, avant de... En fait là t'as pas débloqué de feu, donc je t'encouragerais à débloquer un feu. Oui, avant de commencer à essayer c'est de assez bizarre, mais vide. Il t'en donne pas un. Oui, voilà. C'est... Parce que j'avais très envie. J'ai bien senti, ouais. Non mais avance un peu, tu vas très vite le voir le feu, mais... En gros, c'est juste parce que... Ouais, c'est... Je sais plus ce que ça fait, mais on m'avait... Bah tu repopes sûrement de l'autre côté. Moi je sais ouais, pas. Je pense... Ouais c'est ça, je croyais que t'as double chargement du coup. Du coup tu peux pas trop tenter un truc. Merde. C'est chiant. Elle sert à quoi ta fiole spéciale? Elle sert à avoir un shield. D'accord. Ça fait mal quand même avec cette épée. Ouais, cette épée elle fait mal. C'est Crillon qui m'a conseillé, mais elle est lourde et c'est vrai que j'avais l'habitude d'une épée. Ah mince! Elle a été chargée? Oui, on va dire que oui. Ah, des 1500 comme. L'autre ça lui fait rien, je pensais. Y a pas de feu. Ah, ok. Oh. Une tornade. La tornade, elle est vraiment littéralement à ma fenêtre. Ça a l'air d'où une tornade? En vrai, j'ai beaucoup aimé cette zone, moi. Ah ouais? Ok. Mais c'est vrai que déjà, le style... Oh, quoi. Donc, par contre, je me trouve un petit feu, ce serait sympa. Parce que bon, on est quand même constamment dans le vide. On borde une tornade avec des dragons et des mobs partout, donc bon. Non, mais c'est pas grave. Là. Je peux pas revenir. Si je... Ah mais merde. Vraiment? Ouais ouais, bah toi, tant pis. Ah. Je t'ai vu sauter là, je me suis dit merde, elle a pris le mauvais couloir, mais bon. C'est... Ah, mais il y en avait pas plusieurs de façon. Si si, tu pouvais aller sur la gauche. Pas grave. C'est pas grave, c'est sexy qu'il brûle la tornade. Oh putain, il brûle la tornade! Trop deg, il peut pas passer, espèce du nul. T'aurais pas pu te battre, c'est nul ça! Mais non, mais j'ai peur, t'es marrant, moi je suis nul avec les dragons hein. Je leur ah oui, fais mais faut R, bien comme tenter. Là, il t'a servi à rien ton try. Bah, je savais pas que j'allais tomber en fait. Tu crois que si. Bah, c'est bon, rapparaît là, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, ça va. Tu crois que si je savais que j'allais bon, tomber, j'aurais pas tenté. Moi, je voulais juste en fait essayer de passer derrière lui et aller jusqu'à un feu.
Parlant de dragon, humeur fufu, effectivement, parlant de dragon, voilà qui pointe le bout. Le bout de son... Le bout de son nez rocailleux. Ça dit, stylé ça. Petit point de vue. Bon, en fait, la tornade elle gêne un peu. Je trouve. Trop badass. Le monstre épique pour une fin de jeu glorieuse. Ouais, ouais, fin de jeu glorieuse. Je suis pas sûr, sûr. Oh non, il faut que je fasse tout ça, fait chier. Bah oui, c'est ce que je te disais, c'est sûr. Ouais, mais mince, j'ai pas chargé mon épée. Voilà. Ah ouais, il y a un chemin là. Juste à gauche. J'avais dit. Arrêtez ! Pourquoi mon feu il apparaît plus ? Il est éteint. Je peux pas me mettre dessus. Mais tu sais que c'est délire, pourquoi je peux pas me mettre dessus ? Ouais, c'est un truc pour éviter d'abuser du... Bah tu parles, j'ai toujours pu avant. Ouais, mais c'est nouveau, ils continuent à mettre à jour le jeu. Donc ceux qui ont fini le jeu plus vite, et ben c'était plus facile pour eux. Ok, bon ça va. Puis le jeu plus vite, ils ont peut-être pris le feu avant aussi, ça je sais pas. Non mais ce que je veux dire, c'est que ça on pouvait le faire avant, maintenant on peut plus. Donc ceux qui ont fini le jeu avant, et ben ils pouvaient utiliser ça comme abus, et plus maintenant. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ouais. C'est une nouveauté. Trop stylé. Tiens. Oh, ni, ni, ni. Pouvoir magique. Mais il va trop me taper, j'en ai marre. Elle est plus chargée, je suis dégoûtée. Attends, je la charge maintenant, ça me semble être le bon moment. J'ai fait un peu mal ou pas? Même pas. Oh, je m'en vais. Hein. Moi, je te conseille de délock les dragons. Plus simple, je trouve. Ouais, du loot. Ah, oh, un feu. Pierre de forge 8, t'as eu. Hein. Ça, ouais. Du coup, il est plus là. Il arrive que quand je suis là. Oh, il a pas plus. Ah, mais j'ai plus mes... Du loot. Ah bah, t'as vu ce que c'était? Un truc dragonique. Ouais, avec graisse de dragon. Pour faire plus de dégâts au dragon, je crois. Ah ah, t'es chiant, hein? Oh, tu fais mal, hein? Mal, putain, ouais, je fais mal, hein? Non, non, mais vraiment, c'est beau. Il a beaucoup de PV, lui. Ah, mais non, d'accord, c'est parce que t'as tapé la tête. J'ai esquivé avant. Dead. Faut que je me heal. J'ai plus de mana. Je suis mort cramé. Contre les dragons, je me servais des sorts draconiques, ça va tellement vite. Oui, les fameux trucs où il faut un million de fois, ouais. Ouais, je sais.
Non, mais après, qu'on vienne pas me dire, le jeu est vachement facile en intel. Hein. Tous les trucs intéressants, c'est en foi. C'est bon, moi j'ai joué en froid, j'ai trouvé les sorts toujours trop pourris. Ouais, mais pareil. Hein. Moi, c'est que mes épées qui font des dégâts, en fait. Et avec le feu noir que j'ai un peu bien aimé. D'accord. Il a crash. Oh merde. Bah bravo les mises à jour, hein. Vas-y, c'est le premier crash que j'ai eu. Avant, je n'avais jamais eu. Voilà. Mais cri de l'enfer quand tu meurs brûlé. Mais ouais, mais en même temps, on doit tellement crier comme ça si on meurt brûlé. Moi, je pensais que tu jouerais à Darkstone avec Royal. J'ai pas offert le jeu. Faut que j'y offre. Ah oh, non, Bandai Namco Entertainment. Arrêtez les écrans blancs, hein, c'est bon. Hein. Lors de la session précédente, oui, bah, je sais, c'est toi Elden Ring qui a crash. J'y peux rien. Bon, je te laisse faire ta petite partie. Je retourne te regarder tranquillou. Ok, merci beaucoup pour les infos, des bisous. Yes, bah vas-y, je te regarde de toute façon. Ça marche. Ciao. Hop. Bon. Nous sommes du coup, voilà, ici, là. Oh, il pop vite, dis donc. Mais il est trop loin. Faut que je change mes sorts, en fait. Oh non, il est trop loin. J'ai esquivé! Ça dégoûte. Ah! Je vois rien. Bon. On va changer des trucs. Ça me tend ce jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas de nouveau un mal de dos parce que je jouais. Et bah là, ça revient avec Elden Ring. Alors. Mais quel jour? On est jeudi. Oui. On va changer des trucs. Je vais remettre mon arc. C'est bien. Et je vais tenter un truc comme ça, là, les météorites. Non, 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 pas. C'était pas ça, c'était ça, je crois. Non, non plus. C'est quoi? Alors, on va tester. On va tester de la magie. Une autre magie. Je suis trop loin en fait, je peux pas, ça marche pas. Ça lui fait rien. Ça, c'est de la merde. La magie, c'est de la merde. Ta gueule, le dragon. Vous avez vu la vie, la vie enlevée? J'ai vu ça. Vous vous rendez compte qu'avec mes fléchettes là, je fais plus? Avec deux? Même une, peut-être. La magie, c'est de la merde. Les sorts de glace? Ah mais non, t'as pas de sorts de glace, hein. C'est la foi, hein. La plupart des trucs élémentaires, c'est la foi. Hein. Mais j'appuie sur B, putain! Et bien avant, merde! Ouais, non, mais voilà, faut que j'arrête. Hein. La merde. Mais mon épée, par contre, elle fait de la glace.
Je te vois pas, je te vois pas, mec. Arrête, je te vois pas. Je n'ai pas les sorts de mage, j'ai jamais regardé en fait. Bah t'as pas de, t'as quasiment pas d'éléments. Tu vas avoir les sorts physiques et les pas physiques. Et puis c'est tout. Parce que en fait, le jeu il te dit quand tu fais magie, il te dit ah bah, tu fais ça. M'amuse bien. Le magie l'autre. Super. Je suis vraiment un chien en fait. Non, je me suis trompée. Je sais pas faire où esquiver, c'est affreux. Le jeu te dit la même quand tu veux faire ranger. Ah oui, ça c'est pas faux, ça c'est pas faux. Je... C'est vrai. Nique-toi bien, t'as aucune compétence utile et tu seras nul. Ça prendra le planquer derrière un arc, connard. C'est exactement ce que te dit le jeu. Retourne-toi. Je tape dans le vide parce que je suis trop bête. Attends, je te promets, je vais pas taper dans le vide là. Hop là. Impressionné, hein. Allez, recule, t'as raison. Je mets déjà 5 minutes avant de t'attendre là. Mais d'où? Il fait à peine chaud. Un homme qui fait du bruit là, ça m'agace. Ouais, on y retourne. Ça tombe bien, hein. Je fais rien, je fais encore moins mal qu'à Malenia. Milena, Malenia. Ah, j'ai oublié. Balo ça. Il est où? Arrête! Je vois rien.
Changer le titre parce que si on veut voir Malenia et qu'on voit pas Malenia et tout ça, tout ça. On est ruine de Farou Mazula. Voilà. C'est pas là. C'est là-bas. Trop loin. Regardez ! Putain, faut que je fasse Paris-Strasbourg à pied à chaque fois que je dois l'attendre, quoi. Ça me saoule. Attention, comète. Non, je déconne. En fait, je me suis trompé de sort. Je promets, je déconne. Je vais essayer un truc en vrai. Je me suis dit peut-être que ça va faire comme dans les animes un peu, ou dans d'autres trucs, où les deux sorts se repoussent l'un à l'autre. Et genre son sort de feu et mon sort de magie. Ce serait repoussé, tu aurais dit. Ça n'a pas fait. Il a gagné. Il a gagné. Oui, c'est ça. Je déteste les fions planqués à distance. C'est ça, hein. Non, mais j'ai esquivé, je te promets. Non, je veux pas faire ça. J'ai esquivé ! Oh, je vois rien, hein. Alors c'est sympa de me taper contre un mur, mais la caméra, elle pète un câble en fait. Je peux bien. J'ai mal à la taille du dragon. Pas mal, pas mal. Et ça y est, je suis chien. Non, ni, ni, ni. Pouvoir magique. Attention, faut que je m'approche, là, ça se voit bien. Attention. Elle me dit attention. Arrête, t'es trop tech parce que je te tape. C'est logique en fait. C'est bougrement logique en fait. Pourquoi je te tape? Ah non mais attends, mais j'ai pas le temps de savoir ce que t'allais faire parce qu'on se connaît pas assez là, dragon. M'a tué avec sa queue, c'est une mort trop nulle. Elle est super mal la colonne là avec ton sort. Je fais ce que je veux, hein. C'est pas facile, le jeu il me laisse pas viser, hein. Non, c'est pas facile. Non. Tu n'as qu'à le faire toi les dragons, hein. Que t'allais te retourner, que t'allais être vénère. De toute façon, t'es un dragon c'est tu vénère. Faut se détendre. Ou détendre les dragons. Arrête! Et moi, je reprends de la vie quand?
J'avais enlevé ça ou enlevé ça? J'ai enlevé genre ça ou ça? Non, parce qu'il y a peut-être une progression là. Lock pas le dragon. Oui, je sais qu'il faut pas que je lock le dragon. C'est mon frère qui m'envoie son message. Mais le truc, c'est que pour mes sœurs, j'ai pas le choix. Sinon, ils vont nulle part. Du coup, bah, faut que je passe mon temps à lock, délock et tout. Mais c'est pas. Voilà, on fait ce que je peux. Je fais ce que je peux. Attention, rien. Magie. Il est dégoûté là. Ça l'a un peu chatouillé sa colonne là. Non, il vole. Du coup, je sais pas ce qu'il fait. Mais il one-shot! J'ai pas donc de la noire nuit nocturne, là, ça lui fasse bien peur. Ah, mais ce sera... Tu veux dire que je change d'épée? On peut changer, hein, on peut tenter, hein. Les sorts... là, j'ai mis tous mes sorts les plus puissants, là. Ah, pas mieux, là. Imagine! Il est où mon autre petit truc là, ma petite épée là, c'est un espadon, c'est quoi, je sais plus. J'arrête pas de taper, ça fait bouger ma caméra, je suis désolée. On teste avec ça. On est trop des fous, on teste avec ça et tout. Non mais j'arrive pas. Que les deux armes se jouent complètement différemment, du coup j'avoue je galère un peu. Non, ne vise pas, je t'en supplie. Je vois pas ce qu'il fait, c'est affreux. En vrai, là, je lui fais... Arrête ! Mais c'est chiant, je peux pas bouger ! J'ai fait super mal avec mon rayon magique, du coup tout à l'heure je suis désolée d'avoir critiqué ça. Non. Bon j'avoue là j'ai tout, j'ai... en fait c'est ça. Et surtout quand tu vises la tête, mais oui. Merci! J'avoue en fait le rayon magique! Si j'arrive à viser la tête, ce qui est possible, et bah c'est un peu fifou. Oui, bonjour! Bravo! Merci! Mais alors en fait, je pensais que c'est quelque chose que tu savais, mais à mon avis, tu sais pas. C'est. Tu sais les rayons magiques? Rayon magique! Oui. Rayon magique! Bah en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais il consommait pas de mana quand tu l'as fait. Ah bah si, à fond, il consommait toute ma barre.
Elle buvait, En fait, elle buvait très vite, c'est pour ça que je l'arrêtais en magique, c'est pas moi qui choisissais. la première et la troisième fois que tu l'as fait, oui. La deuxième fois, il consommait pas de mana parce que t'as utilisé ta fiole spéciale qui fait que pendant 15 secondes, ça ignore tous les coups en mana. Du coup, tu peux vraiment le laisser super longtemps. Et c'est comme ça qu'il fait masse dégâts en fait, ce truc. Ah, c'est ce que j'ai mis sur ma fiole? Oui, c'est ce que t'as mis et tu t'en es pas rendu compte, je pense. Montre-moi ce que t'as sur ta fiole, je suis Ouais. curieux. Mélange miraculeux. Ah ouais, ignorer les consommations en PC. Voilà. Et en fait, du coup, c'est pendant X secondes. Donc, qu'est-ce que tu fais avant de lancer ce rayon? Tu l'utilises. Et là, c'est pump it up, tu vois. J'avoue. Mais je peux pas Et en utiliser sur fait, Malenia ça. bah, si, quand Non, même. elle esquive tout de Ça... suite le rayon et je peux pas le rediriger. Ouais, bon, peut-être que c'est plus difficile, mais je pense qu'il faut attendre. Tu sais qu'elle fasse quand elle a une charge Melania où elle se met à taper sur le sol et en fait, le rayon il va la stagger en plus, stagger vite le truc. Bah ça ce sera peut-être en phase 2, parce qu'en phase 1 je crois pas qu'elle fasse ça. Mais en phase 2 bah faut déjà l'atteindre. Mais ouais, c'est pas mal. Bon, tu vas peut-être arriver bientôt au boss que j'ai détesté de tout mon être. Franchement tu me fais trop peur quand tu dis ça, je suis toujours pas battu Non, mais Malenia, j'ai peut-être toujours que même toi pas t'as fait la vraiment de phase mal. 2. J'avais un peu un build à la con à ce moment-là et ça m'a pas aidé, mais je l'ai trouvé hyper casse-couille. Je regarde un peu la vue. On voit l'arbre. Il est tout en feu. C'est fou. On voit un petit peu. On voit des petits trucs un peu jaunes. Ok. Ici c'est quoi? C'est pour les invoques. Attends, j'arrive. Non, Je peux plus. je peux plus. Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait quoi? T'as en N plus 2? N game. Non, bref. Non, plus simple, plus simple. N plus 1. Et du coup, c'était un peu facile et ça m'a dégoûté. Ouais, puisque t'as toutes tes capacités. Ah, c'est ça, t'es niveau 140 ou je sais pas quoi, 150. Oh, le Bah, je petit joue un dogo, peu je quand le tue même. alors qu'il est sympa. Je joue un petit peu, j'ai gratté. J'ai fait une dizaine de niveaux, je crois. C'est pas pareil. C'est pas faux. Tu mets 10 coups d'épée ou même 5 pour tuer la sentinelle du début, tu sais. Et... Ah ouais? Ouais. Elle a pas tant de vie en fait, c'est qu'au début elle est impressionnante parce que t'arrives, Oui, t'es bah t'as niveau 20, tu rien vois. en fait, t'es à Voilà, c'est ça. poil. Je En trouvais fait, Malenia bien elle a pas pire. du tout tant de vie que ça. Ou les deux gargouilles. Ah oui, les deux gargouilles qu'on avait fait ensemble là. De leur mère là, j'avais pas assez de niveau. Mais oui, c'est ça le problème Les aussi, deux c'est que. gargouilles étaient pas faciles, mais étant donné que l'une popait tard, on pouvait cheese quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je les ai eus, c'est que la première, quand j'étais solo, j'avais réussi à la burst un peu Bah vite. c'est qu'après, comme tu sais pas, de toute façon, les zones qui sont faites pour ton niveau ou pas, bah Bah, des des fois tu fois, peux ouais, tu te tenter fais des trucs cuck. comme ça alors que vraiment t'as pas niveau. Oh, j'ai un bévisière des trucs anciens. Ça sert à quoi, ça? Arrête! Arrête! Il est trop méchant. J'esquive comme Mélania. Putain! Il me saoule! Il me saoule! Il va me tuer. Ta gueule! Mais ta gueule! Oh! Trop chiant. Une pierre de sanctuaire. Je sais même pas ce que c'est des pierres de sanctuaire. Je sais même pas à quoi ça sert. Il est où l'autre là qui fait des Un truc que t'as pas loot. Il y avait un autre type. J'ai raté! J'ai raté, putain, je suis dégoûté, j'ai raté! Ah putain, ils sont deux en fait! Mais c'est trop chiant! Ok. Alors, il y a quoi d'autre dans la salle? Parce que là, c'est un peu compliqué de fouiller s'il y a du monde. On voit pas bien dans des recoins. Ah, j'avais une torche. Ouais! Oh, il est là! Il est où celui qui fait ça? Il est en haut? C'est sûr, il est en hauteur, ce bâtard.
Oh, bah, je sais pas si j'ai tout été, mais de toute façon, je vois pas plus. Mais cet endroit aussi, comment il est classe. T'as dépensé tes points? Non, mais j'en ai pas là. Ah, t'as pas tué le boss et tout? Mais je tue un dragon, mais je dois rien avoir. J'ai 42 000. J'ai un tiers, quoi. Même pas. Pas beaucoup. Il me faut 141 000. Donc j'ai moins d'un tiers. Bon. Oh non, ils ont repop, c'est vrai. Non, je reste là. C'est juste pour voir où je veux aller déjà. Parce que là, je suis allée là. Ok, mais ça m'a servi à quoi? Ah, voir le Bézière, bah oui. Ah, mais ici, voilà. C'est bien quand même. Perle de mineur sombre. Ah, je peux descendre. Pierre recueil d'invocation de tout ça. Tellement failli mourir nul ossement. Ouais. Tu peux avoir ma monture? Non. Mais là, si je descends, je meurs? Tranquille. Ça c'est marrant, si je mets pas ton stream en plein écran, genre j'ai un FPS tout pourri. Ah ouais? Ouais. En plein écran, ça va. Parce que bon, après sur certains jeux, j'ai des lags aussi. Hein. Ah, en plein écran, c'est ok. Ah si, je suis le seul à voir. Tiens! Je vais rentrer dans la tour. Il y a des fenêtres et tout, ça donne envie d'entrer dans la tour. Elles sont trop petites pour mon corps. Mon corps musculeux. Ah ouais, c'est vrai, faut les retaper. Ça fait trop peur. Arrête, c'est chiant. Arrête! Oh, ils ont tous des arcs! Mais ils sont insupportables! Pourquoi ils sont 214 là? Tu m'as appelé pour te foutre de ma gueule? Non mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui rigole quand tu loses à côté. C'est sympa hein. Je te supporte. Moi j'ai réussi moi. Il rigole encore pire. C'est ça qui fait rire. Ah, je récupère mes runes, mes 42. De framerate proche de zéro là, tout là. Mais après là t'es sur Discord aussi, tu me regardes sur Discord. Bah, c'est pas Twitch. Non. Ah non, c'est parce que j'avais une... Putain, y'a un truc noir, c'est un truc tellement bizarre. Ah, oh là là, je récupère mes runes. Ils sont là. Allez, récupère là. J'ai entendu de ma cuisine quelqu'un hurler. Mais c'est Envy, il fait que hurler. Encore un avantage pour la foi. Eh oui. La foi, effectivement, elle peut les tuer une fois. Alors que quand tu utilises l'intel, bah ça les tue pas. Et en plus, non seulement ça les tue pas, si tu risquais ça. Mais en plus, tu peux même pas les reviser avec tes sorts pour l'achever de loin. Non, le jeu, il déteste profondément les gens qui utilisent l'intelligence. En fait, c'est un jeu qui n'aime pas les gens intelligents.
ça, mais maintenant que tu vas pouvoir mettre des Rasengan de l'enfer. Tu parles, je pourrais en mettre un. Et il suffit que j'ai un mob qui esquive. Et hop. C'est foutu. Oh putain, ils sont tellement nombreux. Ils sont 14! Allez. Meurs! Il a revécu tout de suite! Pourquoi il revit tout de suite? Je peux pas le tuer le bord! Popo pour ces quatre connards. Voilà, là il était pas mort. Alors là il meurt et là faut que je le retue. Hop, voilà. Voilà, faut que j'attende qu'il tombe hein, quand même. Hop, là je le tue et voilà. Il y en a encore un. Hein. J'ai plus de mana. Des fois s'ils se relèvent directement, c'est parce qu'ils ont une petite chance que ça arrive. Je crois pas la si petite, mais genre peut-être 15 ou 20 points, je crois. Salut Mogleminder. Oh, j'ai plus envie de jouer. J'aime pas par où je dois aller là en fait. Je suis dans du vide, ce qui est génial. Là, je vais risquer ma peau pour. Oh, je sais pas, pour un papillon là. Que c'est mieux de quel côté? Moi je crois que c'est bien. Sombre. Bon allez, on va par où? Faut que je descende, je pense. Je vais tellement mourir. Faut pas que je descende en fait. C'est trop risqué. Y'a un truc qui m'a essayé de me viser là, je suis pas folle. Regardez, un truc qui me vise. C'est qui? Alors tu t'éclates? Non, on m'éclate. Les statues sont clairement... Ouais, les statues sont stylées, effectivement. Arrête, hey, franchement c'est pas drôle mec. T'es qui toi? Je te bute. Oh, il a de la vie. J'ai gardé. J'adore rire. Ils sont 12. C'est qui là qui fait du feu et tout? Ça va, oui. Mais j'ai plus de popo. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Non, bah non, c'est trop marrant. Nul à chier. Courage, Néo. Bon, je vais courir. Je crois que c'est ce que j'avais fait, parce que ça m'a saoulé un petit peu aussi. Ils font pas beaucoup d'expérience, pas très intéressant. Ah, t'as pas peur de sauter? J'ai jamais aimé sauter dans le jeu. Ah, j'aime pas non plus, hein. Mais on a pas le choix ici, je crois. Je sais plus. Regardez s'il y avait un petit rebord qui pourrait le faire. Arrête! Elles sont où mes runes? J'ai pas mes runes. Elles sont où mes runes? Voilà. C'était du granit. Non, arrête. T'as vu que t'as une pierre de sonde 9, je sais pas si t'en avais déjà, mais... Une quoi? Ah non, c'est pas une pierre sonde d'un coup.
C'est ici que tu chopes plein de pierres pour améliorer bien tes armes, tu vois. Ça, c'est cool. J'ai pas vu venir celle-là. Mais oui, mais bon, je me recule, quoi. Il veut me taper, alors je recule. Le jeu, il sait très bien, du coup, il me met des trous partout, hein. La map est un trou, en fait. Bon, je m'en fous de eux. Voilà, hein. Ça va bien. D'un moment, nous, on a quand même en vue des mobs un peu plus... J'ai fait une roulade à cet endroit-là. C'était très malin. Ah, il a l'air fort, lui. Je fais que à distance, rien à battre. Oh, t'as le vent du souffle de la tempête avec toi. Il s'est propulsé sur ma gueule. Je suis tombé aussi pas mal de fois. Ouais, bah, dans les maps comme ça, punaise, tout est fait pour, hein. Faut que je mette ma lampe. Ah. Ici, à quoi? Oh, une mort certaine. Ah, et puis là-bas, il y a un petit loot, évidemment. Oh, et ça fait un joli point de vue, vous avez vu, avec le gars là-bas au loin? Trop stylé. On va voir ce que tu fais. M'en fous. J'ai faim que ta mère, merde. J'ai tout utilisé pour ça, mais je m'en fous. C'est le trou map, chaud. Blague est valide. Alors là, là, ça sent la zone un peu risquée quand même. Ah, j'ai tout pété. Oh, il y a un mec là-bas. Je pense que je cours et je fais ça. Je déconne. J'ai bien défoncé lui. Ouais. Ouais, ça faisait longtemps. Les ulti bug. T'as changé. Le jeu, il m'a changé. Oh la vache. Oh, j'ai rien fait. Il était trop loin. J'ai plus de mana. Il était pas trop loin, je pense que c'était la structure à mon avis qui t'a bloqué. Ah, j'ai jamais réussi. Tu vas y aller à la noix là, ils font tellement mal au cac. Mais oui, je veux même pas risquer moi d'être au cac avec eux. Hein. C'est bon, hein, les boss, je suis déjà assez obligée là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille le jeu, laisse-moi tranquille. C'est officiel, c'est la très meilleure. Oh, merci, c'est très gentil. Merci, Bloody. Attends, voilà. J'ai juste un petit coup à faire, là, c'est bon. Voilà, je vais aller doucement. Pour récupérer déjà mes runes. Je suis bon. Je commence à en avoir un petit peu. Ah, il est juste là. Je suis trop deg. Et franchement. Franchement, je le cache bien là, mais je suis trop deg. Il va me tuer. Voilà, j'ai failli être trop deg. C'est ce qui fait des fois une vie en ce moment en vocal. Non. Elles sont mes runes. Elles sont là-bas. C'est trop ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait celui-là à faire avant. Bon, celui-là. Voilà, on garde les trucs. Je fais ça. Voilà, je voulais pas tendre. Je voulais pas risquer.
Ok, donc la colonne, vous pensez celle qui a tout pris. Bon. On va retenter alors. Là, je suis bien là. J'avoue, j'ai raison. Clé l'âme de pierre. J'aime bien un nœud de feu. Non! On a battu. J'ai tellement failli mourir dans le vide, ça aurait été trop dommage. Attention. Hop. Faut descendre encore. Mais là c'est trop haut là. T'avais un escalier hein, de l'autre côté. Ah oui. T'avais préféré tourner à gauche et tu pouvais aller tout droit pour prendre un petit escalier normal. Ok. Peut-être pas courir ici. Oh là là, il y a un gros boss là-bas. Oh là là. Et oui, Bloody dans Elden Ring, enfin. Tous les passages donnent la rage. Tiens! Vénère! Alors. Petit escalier. Avec la grande salle et des mobs purement. Non, pas ici. Roulade! Il y a des messages, dis donc. Oh, je peux invoquer Bernald. Bernal. Non, je veux pas de ce type. Hein. Je connais pas, moi. Mais on n'est pas... Tu aurais bien aimé un feu à la place d'une invoque. Oh, je t'ai fait. Genre tu referais de l'art, tu sais l'époque où tu dessinais. Ouais, je referais. Je suis un peu feignasse, c'est pour ça que j'en fais plus. Parce qu'il faut que je prépare un dessin avant. Mais je referais. J'ai bientôt plus de mana par contre, c'est une fiole à chaque type. Hein. Mais Sam, pour blanchir un vêtement, tu peux pas mettre sur de la javel? Ça fait des taches blanches. Ça marcherait pas? Ça décolore, mais c'est pas blanc blanc. Ah ouais? Parce qu'il a eu du rose dans sa machine. S'il veut blanchir un vêtement, il peut acheter des lingettes qui servent à blanchir. Justement. Oh non. Ou des liquides. Oh non, mais j'ai pas... Non, j'ai pas... Bon, c'est celui-là, de fait, Lox. C'est celui-là. J'attendais qu'une chose, c'est que tu rentres dans la salle. Non, je m'en vais, je déconne. Je te défonce, j'ai pas peur. Je sais pas si tu les reconnais, c'est Buzz Palace sans doute. Ah! Mais j'ai plus de fiole de mana. Ah toi, c'était du linge de couleur, Sam. D'accord. Ah, du linge de couleur, c'est mort. Là. Pas trop si ça... C'est pas grave, du coup tu vas devoir le Mais je sais même plus où c'était. C'est juste à côté du feu en fait. T'as juste tourné autour pendant deux plombs parce que tu tuais tout le monde, mais
C'est juste l'escalier, tu descends. Tu trouves l'escalier, tu descends. Non, mais il y a des mobs. Oui, mais tu les esquives. Tu rushes le portail et tu appuies dessus. Non, 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 sois pas méchant. Bah ouais, mais il me gêne. Il va me taper et tout. Bon, d'accord. Je peux pas rentrer? Je peux pas rentrer, ça va pas? Ah ouais, putain. Bon. C'est-à-dire je peux plus rentrer si j'ai aggro des mobs? C'est ça le truc rigolo comme dit le jeu? Quoi? Ou alors c'est qu'il y a une autre rentrée, mais non. Bah non, ça marche. Non, non, il me propose plus. C'est génial. C'est trop bien. Il te force à affronter les mobs en fait. Oh bug. Non, non, je pense. Je sais pas si c'est un bug en vrai. Hein. C'est peut-être si, pas en vrai, un bug. M'étonne que... Ça m'étonne quand même parce que. Ça m'étonne quand même, tu vois. Je regardais les mises à jour. C'est même surprenant. C'est pas la bonne entrée. Ah si si si. Les entrées comme ça veut dire qu'il y a boss derrière. Sinon il y aurait juste un mur s'il fallait pas que j'aille là. Non parce que t'as deux entrées ici, c'est peut-être possible. Ah bon? Et t'as un autre feu qui est plus proche de l'autre entrée. Bah le feu d'avant en fait. Du coup je peux pas passer là alors qu'il me... C'est ce que je me demande tu vois. Non, l'autre escalier. Mais là d'où je suis je peux pas en fait. Ouais non t'es pété toi sur l'autre feu c'est pas grave. De toute façon ils seront pas perdus tes éclats. Bah en fait il est très loin au-dessus, il est là hein. Moi, près de mes trucs. Ah ouais, il est loin, putain. Moi, j'en ai pas. Hein. Bah, prends l'escalier alors et rush l'escalier. On est à l'entrée en bas de l'escalier, je crois que c'est ça. L'escalier là où. À droite, quoi. Ouais, voilà. On va en décaler, mais c'est parti. Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais y a pas de feu là. Hein. Non, non, mais la porte pour entrer dans la salle du boss, elle est devant. Ah d'accord, mais ouais, mais j'utilise oui, voilà, déjà c'est là. Mes popos, quoi. Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, quand je faisais ce boss, je rushais comme ça. Ok. Et je traversais le brouillard direct. Et je sautais à mi-distance, ils avaient jamais le temps de me toucher. Tu rushes en faisant des esquives. Il y a peut-être des fois, ils m'ont mis un coup, mais globalement, tu peux passer, quoi. Et après, si tu veux pas perdre tes runes, au pire, t'équipes le fameux objet pour pas perdre tes runes, tu sais. Bah oui, mais sauf que. Ah oui, oui, d'accord. Tu l'équipes, tu les récupères, tu meurs et tu les auras. Tu dois en avoir des petites branches là. D'accord, je les connais. Déjà que je les récupère maintenant, on va voir. Moi, je trouve peut-être ça. Ouais, déjà tu les récupères et au pire, si tu remeurs, tu prends ça. T'as quand même pas mal. Ouais, quasi 100 000. J'ai perdu des 200 000, j'avais trop les boulins. Ouais, middle vie. Bon, ah, je suis coincé, je peux plus esquiver. Ah bah d'accord, j'ai marché sur... je crois que j'ai marché sur une aiguille là. Je suis morte comme ça. Le feu noir, ça te met un debuff. Mmh. Un dot pendant quelques temps. Mmh.
Ouais, je vais essayer de le faire. Écrasé par un bourrelet, tout à fait. Non, putain. Je peux pas en fait. Juste il te roule dessus en permanence quoi. Ouais, il faut le bloquer. Il faut clairement le bloquer. Bah je vois pas comment, je peux pas le bloquer. En fait, il y a des poteaux. Les poteaux tu peux. Bah les poteaux il les casse. Oui mais il passe pas au-dessus quand même. Pff, d'accord, lui il avait déjà commencé à me taper avant même que je sois dans son champ de vision. Lucie connaît le chemin. Il m'a tapé à travers cet enculé. Oui, des fois ça arrive. Oh mais please. Tu vas mettre l'esquive toi. Bon bah mes runes elles sont mortes, de toute façon elles sont perdues. Je sais même pas où elles sont. Ok. Ils s'amusent. Merci beaucoup pour le raid. Ouais, moi c'est mon pire celui-là pour moi Sam. Non, je sais pas, je leur faisais aucun dégât à ceux-là. Je leur faisais aucun dégât. Bon, t'inquiète pas, j'en fais pas très mal. Raid, merci beaucoup. Faites-leur la nouille, ouais. Après, bah, j'ai vu à quoi ils étaient sensibles sur le net et. Et je rappelle que pour en tuer un, il fallait beaucoup de coups d'épée. Enfin, je sais plus ce que j'avais à ce moment-là, une masse. Voilà quoi. Une petite masse. Non. Je suis morte. Mordre avec les dents. Ah, c'est chaud de mordre avec autre chose. La loque, ça fait mal, c'est pas mal. Ça fait des bons dégâts, quand même. Bah ouais, mais moi, je mords. Et même, j'étais full corps à corps. Et en fait, le gros, avec ses tourbillons, son roulé-boulé, c'était hyper emmerdant. Enfin, non, franchement, j'avais un peu galéré sur. Enfin, c'est même le boss où j'ai peut-être le plus galéré. Bon. Est-ce que je mets autre chose que ça, par exemple, qui est un peu useless. Des trucs plus rapides. Ah, ça. On va tester ça. Ah, oui, t'étais encore sur The Witcher 2, c'est ça? Moi, je t'encourage beaucoup à jouer au 2. Très bien. Mais ouais, le 1, c'est dur d'y jouer aujourd'hui. Très dur. T'as fait le 2, toi? Ouais. Moi, je savais pas. Je savais pas du tout. Je l'avais téléchargé à l'époque. Mes runes, j'ai récupéré tout à l'heure. Ah oui. Ah non, mais vise! Bah oui, mais non. C'est possible, hein. J'ai tellement galéré sur lui, je suis allé voir des vidéos YouTube. Après, j'ai vu comment les gens y faisaient, ça m'a saoulé. Je vais défoncer en quelques coups.
fait sont ultra sensibles au saignement. Et ah bah comme d'hab. Au saignement. Non vraiment eux c'est genre deux coups ça proc. Genre c'est un délire. Deux coups il tombe au sol, il perd de 20-30% de sa vie. En plus avec le proc non. C'est genre stupide. Ça m'a saoulé, j'essaie de le faire. Clairement le 1 il est horrible, ça pique absolument partout. Il est super pour son époque et toujours aussi intéressant, mais graphiquement c'est l'ancien moteur de BioWare. Il était dépassé quand The Witcher 1 est sorti. Ah d'accord, ah oui d'accord. Donc il est même un peu vieux graphiquement pour son âge quoi. Graphiquement, pas pour le reste. Ouais, le 1 c'est dur d'y jouer. Moi je l'avais pas fait à l'époque le 1 et j'avais essayé d'y jouer, je pense, comme toi. Et putain, c'est dur. Je préfère jouer à Fallout 1, tu vois. Elles sont. Bah voilà. Ouais, je sais pas, c'était. Je sais que j'avais un. Ah, oh, bah mes runes au fond de la salle, je suis jamais allé là-bas. T'as vraiment eu du mal, toi. Bizarre. Alors que Morgue, je l'ai buté au troisième, je travaille pas. Alors que quoi? Morgue. Mog. Je suis au troisième try. Moi j'en ai passé, je sais pas, à peu près 2 ans dessus. Je faisais un peu plus mal à ce moment-là. Mais... Ou était plus sensible, j'avais une masse de merde à ce point. La masse que j'avais là, elle marchait bien pour stun. Mais eux ils sont instunnables, eux, tu les stuns jamais. Tu mets 20 coups d'affilée, ils sont toujours pas stun. Ah ouais? Ouais, c'est saignement. Par contre tu en mets 2 coups, j'ai vu dans la vidéo. Hein. Il y avait même un mec, je crois, il mettait un coup pour le faire proc. Bon, il devait vraiment être super opti sur ça, avec full ésotérisme et tout. C'est vrai, tu peux le faire. Ouais, bah t'inquiète pas, j'ai déjà abandonné Malenia tout à l'heure. Ouais, mais après, ouais. C'est un peu le plus dur, mais. Considéré en tout cas comme le plus dur. D'ailleurs, le deuxième boss sur lequel j'ai le plus galéré, c'est le fin là des deux. Moi ouais, j'imagine, ouais. Quand tu l'affrontes tout. En fait, la première fois que tu vas dans le désert, c'est assez tôt dans le jeu, et il y a une grande tour qui fait atteindre ce boss là, l'un des deux, le maigre là. Sauf qu'à ce moment là, t'es niveau 20 ou 30 dans le jeu, t'es genre au tout début. Parce que t'as tué que Godric. Ouais. Et tu vas voir Radahn, sauf qu'en fait, la zone là rouge, plus son nom. En fait, il y a une partie qui est niveau genre 50 et l'autre partie qui est niveau 100. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu le sais pas ça, parce que le jeu il est plutôt clair hein, dans ses indications. Lania m'a fait pleurer des larmes de sang. Ouais, bah pour le moment, j'arrive même pas à atteindre la seconde phase, donc j'avoue que bon. Ah oui, je les ai vus ces strats là, ça. Ouais, mais ça c'est cheaté, c'est nul. Tu t'annules un boss alors que c'est le principe du boss d'être à deux contre toi. Les flèches qui collent le sommeil. Ah oui! Ouais, j'avais vu des strats aussi comme ça sur les vidéos. Exact, il a raison. Tu mets un sommeil, il le garde super longtemps. Tu l'autre tranquille. Ouais, j'ai pas tiré une flèche du jeu. Je sais pas, j'étais en bulle mêlée. Je restais mêlée jusqu'à l'âme. Voilà. Ah, ça te plus facile maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ouais, je voulais. J'attendais. Bah oui. Nickel. Tu vois. Non, il va me tuer. Oh non. Oh non, il va faire pop! D'accord. Un peu facile, sinon. J'imagine qu'ils ils se font pop mutuellement, c'est ça? Tu veux l'info ou je te laisse deviner? Oui, j'imagine. T'as raison ou pas? Non, je vais te dire parce que moi j'ai essayé de faire ça et c'est ça aussi qui a compliqué les choses. Non,
Regarde la barre de vie du boss, ça t'indique un petit peu où t'en es, tout simplement. Ouais, sauf que j'arrive pas du tout à me rendre compte. Oh, j'ai plus de poupou. Et il repop tant que le boss n'est pas mort. C'est qui le boss? C'est lui ou c'est l'autre? Pop une fois chacun à peu près en termes de points de vie. Okay. Ou 4 fois celui que tu tueras uniquement, tu vois. Mais bon, moi en fait, c'est aussi pour ça que j'ai galéré, j'ai oublié ce détail, tu viens de m'y refaire penser. Comme toi à ce moment-là, je me suis dit merde, faut les tuer en même temps. Ouais. Et en fait, j'ai essayé. Quand j'ai réussi enfin à les tuer tous les deux, ça avait rien changé. D'accord, ils ont repop tous les deux. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'était une belle connerie. Oui, c'est pour ça aussi que j'avais galéré. Du coup, je faisais attention à bien mettre un super low, à taper l'autre, à le mettre low et ensuite à les exécuter en même temps. C'était aussi pour ça que j'avais un peu galéré. En plus du fait que je leur faisais pas très mal. Ce qui me fait chier, c'est que les popos de vie, ça va être très compliqué là. Non mais justement, je lui ai dit parce que elle aurait pu s'obstiner longtemps. Moi j'ai pas envie hein. Moi sur elle aurait jeu, pu s'obstiner longtemps donc on va dire le backseat de ce côté-là, je me suis permis de le faire. Fait super mal les trucs à travers la porte, ça me saoule. Faut faire une petite roulade. Mais bon oui, des fois c'est pile poil à la frame. Non ouais, donc je pense qu'elle se serait elle se serait obstinée à essayer de faire comme moi. Bon, elle fait un peu plus mal, je pense qu'elle aurait moins galéré, mais quand même. Ça l'aurait fait chier. Surtout pour se rendre compte à un moment que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Le try où t'as tout donné, tu les tues en même temps, tu lâches la manette et là tu te reprends un coup dans le dos. Oh, non. Moi ça. C'est un LTF4, hein, ça. Ah putain. Je suis obligée d'en prendre des popos constamment. J'en ai vraiment pas beaucoup, quoi. Non mais en plus j'ai été bête parce que j'ai pensé ça et je me suis obstiné longtemps alors qu'en fait tu vois que la barre du boss elle colle pas avec la vie des mobs et en fait c'est tout con, c'est juste que je sais pas, c'est comme si t'as un boss invisible qui cumule les points de vie des mobs et quand ça arrive à zéro bah c'est fini quoi. Mais je sais pas, sur le moment ça me paraissait pas clair. Ouais c'est clair. J'étais full texte saignement, bah oui comme tout le monde. À mon avis, alors c'est vraiment, c'est comme sur les vidéos que j'ai vu, Samus, les saignements, vraiment ça prend quelques coups sur eux, 1, 2, 3 coups, genre ça prend ça direct. Ça annule tellement de boss en vrai, les saignements. Bah ça dépend, il y en a, ils sont pas du tout. Par exemple, Mélania elle est insensible saignement, ils ont fait exprès. Mélania elle est insensible saignement. Je suis morte. Attends qu'il reste sur ma gueule. T'avais un bon truc. Je sais pas, je joue comme ça depuis Dark Souls. Ouais. Ouais, mais genre, est-ce que ça les a tués hyper vite? Vraiment, comme j'ai vu sur les vidéos, c'est aussi cheaté où les mecs faisaient une préparation particulière. Ah bon? Elle est pas insensible, Mélania, j'avais lu? Attends. Ou c'est pas Mélania, c'est autre chose? Il me semblait que c'était Mélania que j'avais vu ce truc-là. Allez, j'aimerais bien les avoir un par un. Non, allez. Non. Dégoûté. Ah si, ils disent du coup dernier boss égale immune saignement. Ah non. Ah non, c'est le dernier boss qui est insensible saignement. Ok, j'ai rien dit. Je n'aurai pas son nom. Ce sera le dernier boss. Et vu que Mélania, c'est le boss optionnel, elle l'est. Ok. Non. Ah, t'as bien avancé là. Ouais, mais j'ai plus rien. Ah non, vous avez raison, les gars. C'est niqué avec tes griffes. Oui, mais saignement, c'est le truc. C'est le truc où t'as. Non, c'est le dernier boss du jeu. En fait. Il est pas, c'est le dernier boss du jeu. T'inquiète pas que la magie, on a des mobs qui en ont rien à foutre de ta magie. Hein. Ça me saoule tellement. Mélania, toi, t'avais. Je pense que t'as un coup à jouer parce que j'ai remarqué que ton épée pouvait la stagger hyper vite. Ouais. Donc peut-être qu'en continuant un peu, en prenant peut-être des buffs qui poussent au stagger et tout, tu pourras la stun beaucoup plus souvent et
Putain, c'est un peu sur ce côté-là. Merci, Bloody. Allez, arrête de viser. Eux, je sais pas si tu pourrais les avoir en ligne pendant ne serait-ce que 3 secondes. Ouais, c'est ce que je voulais, ouais. Ça serait trop rigolo, mais bon, c'est faut avoir un peu de chance, quoi. Faut attendre le bon moment, en fait. C'est-à-dire, peut-être, enfin, jouer normalement et à un moment, si ça se présente. Ah, elle m'a fait mal. Elle est sympa, toi. Ah, chier. Feu putréfaction foi. Ouais, mais tout ça en fait tu peux que parce que justement tu utilises la foi quoi. Ouais, poison de glace, c'est vrai que j'ai jamais utilisé aussi. Je me demande, glace ça ralentit les ennemis, enfin ça pourrait être cheaté dans Elden Ring. J'ai pas l'impression avec Malenia, mon épée elle fait des. Elle a l'air de faire des trucs de glace, mais je suis pas très un peu. Ouais. Venu Samus et bisous. Salut Samus. Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. N'hésitez pas à follow si vous voulez voir un cosplayer. Fan de The Witcher. Ah ! Mais aussi de Metroid, de Alien, de plein de choses. En fait. Ouais, vu le nom, j'aurais dit Metroid. Oui. Ah ouais, non, l'autre il esquive tout de suite. Ah, Samus il joue à Valheim, je vois. Ah oui, à fond. Si je vais évoluer. Oui, c'est vrai, il joue beaucoup à Valheim en ce moment. Ouais. Je me demande si ça a pas mal évolué. Je l'ai bien aimé. Un peu. Ça faisait beaucoup studio indé et tout ça, mais quand même c'était pas mal. Vous cherchez la merde, cherche la merde, cherche la merde. L'autre il est où? L'autre il est où? Je voudrais le viser. Ça veut pas, c'est pas grave, il est là. L'autre est gentil. Bah c'est bon, t'as vu, ils ont mis les poteaux exprès pour contrer cette technique, t'as vu? Ouais. Sinon ça serait, en effet, tu mets une ligne droite et viens. Je suis morte. Fais chier! Ah merde, il est passé. Il est passé en fait, hein. Parce qu'au moment du morph, il est un peu en l'air. Et du coup, s'il se morph en étant déjà près d'un poteau, il est totalement il passe. Passé. Là, j'avoue que je t'ai vu, je pensais que tu l'avais. Hein. Là, je t'ai vu faire ton Rasengan quand il se morphait. Je me suis dit, bah, il va être bloqué directement. Ouais, j'y ai trop cru. En fait, il se lève un peu quand il se transforme. Donc, s'il se lève au moment où il est, bah, il est déjà collé, ça le fait juste passer au-dessus. Il a sauté par contre, au-dessus, ouais, complètement. Mais après, si tu le fais avant, bah c'est bon, c'est gagné, quoi. Mais bon, c'est... Fallait le savoir. Fallait le savoir, ça, j'avoue que je m'en souvenais pas du tout. Puis de toute façon, je pourrais pas te prévenir en live. Oui, bah t'aurais pas pu trop t'en rendre compte non plus, on va oui, dire. Oui, mais... Et puis même, va dire un truc comme ça en direct, le temps de réagir. Si t'as déjà commencé à casser ton sort, c'est fini. Hein. Ça. C'est Elden Ring, hein, mais ça. Pas dans... Voilà. Je joue pas Overwatch avec Tracer. Ah,
Ah, je suis trop proche de tout le monde. Ça se passe mal. Très rigolo. Ah, que je bouge. Ah si, il saute complètement en fait au départ. Il fait complètement un saut, tu peux pas tout de suite te cacher derrière un poteau. Faut que tu cours et que tu ailles derrière un autre poteau. Ok. Parce qu'il fait vraiment un saut, c'est pas... C'est un vrai truc quoi. You don't wanna know. Super. Allez, relève-toi! Oh wow, putain, mais mon perso, quel tas de merde quoi! Waouh! Bah, un petit topo de soin déjà, deux même en fait, c'est cool. J'aime bien, j'en ai plein. Hello Lozadri... Lozadaric. Je vais y arriver. J'ai complètement failli massacrer ton pseudo. Je fais n'importe quoi. De toute façon ça a très mal commencé, j'ai déjà une peau pour moi, c'est beaucoup trop. Raid en approche. Un raid? Mais arrête de qui donc? Tu m'as déjà arrêté, Tamus. Ouf. I feel your pain. Thank you. Allez, je vais récupérer mes runes. Super. Tu vois le Zandari qui me comprend. Oui. Merci Wally. Ah, ça fait longtemps que je t'avais pas vu en live. J'espère que ça va. Tiens, vous ici? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Merci beaucoup, c'est très gentil. Désolé, hein, je suis un peu focus. Mais voilà, je te remercie vraiment. Non! Non, non, non! Mais arrête, espèce de connasse! Oh, je déteste les mages. Quand ça a pas de magie, et ça te fait ça. Eh, mon bâton, il est vide en fait. Pendant à peu près 5-6 heures. Oui, mais c'est toi qui as fait une roulade de trop sur la droite. Hein. Non, mais c'est surtout que j'ai roulé trop tard en fait. Je me serais mieux placé, mais c'est que vu que j'ai fait un sort en ayant la barre de mana vide. Et après, t'as spam. Bah, du dans coup, l'urgence. Elle fait. Un bah, il pue une maille en fait. Et du coup, il montre au boss. Eh, hey, t'as vu mon bâton, il est vide. T'es insupportable. Attends. J'ai trop de sel là. Ça me pique la langue. T'as vu mon bâton, il est vide. Et voilà, un petit coup à travers la porte alors que j'étais encore en animation donc je ne pouvais rien faire. Ouais. Bah, dit safe. J'aimerais bien essayer de mourir près de la porte à chaque fois pour récupérer mes runes facilement. Ah, j'arrive pas à le viser. Mettre ça tout de suite, ça me saoule. J'ai essayé, mais c'est pas fou. Tu faisais Yonling pas très longtemps. Ouais, c'est non, dommage. Mais je sais pas si ça traverse. Si, si, il a vu, il a subi des dégâts un petit peu, genre 5-600 l'autre. Ok. Derrière. Et l'autre, je sais pas, dans les moins de demi. That's not because I'm running a sorceress now. It's so cool to watch in another perspective.
I don't think voilà, if... t'inspires les gens. That's a better choice too. To play a sorceress in this game. J'étais entre toi et Lux pour mon raid, mais Elden Ring l'a remporté. J'avoue, je comprends surtout que ça faisait longtemps que j'étais pas retourné dessus. Je suis morte ici exactement. Et que bah maintenant tout le monde a fini le jeu à part moi, du coup il y a moins de stream dessus. À part moi, on est où là? Mal placé. Ah non, il a pas fait. Incroyable. Oh non, j'ai plus de mana. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Non, j'ai continué à rouler parce que j'ai eu peur. Je te prie, arrête-toi. C'est bon, t'as gagné. Stop. Ah, il s'arrête un petit peu. Je pouvais rien faire. J'essayais de bouger. Je pouvais. Ouais, le temps que tu te relèves. Ouais, il attend, je me rends compte. Moi aussi, m'oublie pas, merci, un peu de respect, s'il te plaît. Ouais, tu l'as pas fini non plus. Ça serait même pas mieux, t'es météore pour eux. T'as pas fini, Sam? Non, il a même désinstallé. Parce qu'il avait non, Sam, oh, c'est trop dur. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Le truc bleu foncé. Le Kamehameha là? Ou je sais plus quoi? Ou alors tu parles des trois boules, les trois météorites? Je sais pas parce que. Je sais pas. On va peut-être essayer, j'avoue. Il est où? Non, je me suis trompée. Super, je gaspille bien de la mana. Bonsoir Bayot. Bayot. C'est un plaisir de voir du monde sur Elden Ring encore. Et oui, comme je dis, hein, y a des gens qui l'ont pas fini. Non, c'est vrai qu'il saute. Il saute. Et moi, je me déteste. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, j'ai roulé un peu trop. Non, c'est bon. Non, j'ai roulé un peu trop. Non, je fais que rouler parce que j'ai trop peur. Putain, ma putain. J'arrivais pas à arrêter de rouler parce qu'à chaque fois je roulais trop d'un côté, du coup fallait que je roule de l'autre. Hey, ta gueule, toi. À chaque fois j'entends juste à la fin de mes trails un petit commentaire, un petit. Oui, non, c'est parce qu'en fait, c'est pas que je me moque, c'est que je t'entends râler, mais moi je vois la scène en décalé. Donc du coup, c'est un peu en mode je découvre qu'est-ce qu'il y a, tu vois, où ça a foiré, c'est ça qui me fait sourire. Et vu que tu me spoil en plus. Avant, parce que tu me disais trop roulé et je te voyais en train de trop rouler, tu vois, du coup ça... Tu veux que je restream sur Steam? Non, non, c'est bon, c'est pas vrai. Ah, fallait que je change de sort, attends, je vais le faire après. T'as fait un peu de surprise, tu vois. Les trois grosses boules. Ok, c'est bon, j'ai réussi à ne pas perdre de vie avant de rentrer, ce qui est déjà pas mal, hein. Entendons-nous. Ah, je regardais mes sorts parce que j'en ai 40, putain. Chercher mes runes. Que tu veux, toi? Ah non, il est déjà transformé! Bah, c'est mort. Ok. J'ai réussi à survivre. Je sais pas comment. Maintenant, je pars en courant. Ça me semble être une bonne solution. De toute façon, j'ai pas de mana tout de suite. Faut que je puisse recharger. Super, tu fais dans le mauvais sens, meuf. Pas grave. Pas grave, de toute façon. Arrête. Vise.
J'arrive pas à viser celui que je veux. C'est pas le moment. Ah, il se retransforme. On t'a trouvé une technique. Tu montes sur le truc, ça tourne à la fille. Hop, couché. Non, mais il arrête pas de se transformer, j'en peux plus. J'ai même plus le droit à un tout petit rapide. Ça le touche même pas, ça lui fait même pas un dégât au moins. J'ai quand même frappé avec mon épée, avec la magie, il a même pas eu un dégât et moi je suis morte. Ouais, faut pas essayer de taper quand les héros. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment là, il se transforme toutes les deux secondes quoi. Bien, ça les joue depuis longtemps. En coop, les boss prennent tellement de vie qu'autant les battre seuls. Ah oui, non, masse, tu réponds à quelqu'un. Ah oui, faire de la coop. En plus, Lux, pour le mode coop, donc j'ai regardé un petit peu. Oui. Ils ont créé un mode de difficulté qui va avec pour vraiment que ce soit dur. C'est bien. Ouais. Parce que rien que le fait d'être deux cibles différentes, c'est quand même assez incroyable. Ah bah, surtout si t'as un mage à un distance et au cac, faut avouer que ça, c'est un autre monde. Bah même deux au cac en vrai. Oui c'est vrai. Se retrouver ouais, dans bon. Le dos du pendant coup, que l'autre il est devant, c'est monstrueux. Il est jamais visé. Et genre c'est... Oui il y a aussi... Mais en vrai je trouve que dans tous les scénarios c'est mortel. C'est un cac, tu le fous dans le dos, il peut spam, il y a moyen qu'il soit plus efficace que n'importe. Il se retransforme. Ça me saoule. Ça c'est le moment que t'aurais pu le... Ça il le fait deux fois de suite. Pourquoi tu le bloques bien? Tu peux faire ton bâton dans le fait. Non, pas parce qu'il me vise trop. Non, il se retransforme encore. C'est ça aussi le problème, c'est que s'il commence à se transformer pendant que je fais mon bâton, mais je suis morte. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que tu le fais une fois qu'il est transformé et que t'es placé derrière. Ah, yes, okay. Il a réussi à monter. Allez, non, mais c'est bon, on a compris que t'as plus de mana, arrête! Oh, punaise! Le perso qui mate son bâton pendant 5 minutes, parce qu'il n'y a plus de mana. Ça marche plus? Ouais. C'est un peu ça, non? Moi j'ai trop l'impression, vu qu'il tend son bâton en le tordant gauche-droite, c'est un peu comme s'il le montrait au mob. T'as vu mon bâton, il est vite. Et tu ressors Darkstone le royaume? Aucune. Ah ouais, il s'est pris de passion, il est dessus. Ah la balle. Pire truc là. Il est trop chaud. Par contre, c'est le pire truc. Donc je le tue lui. Vite, un petit coup, un petit coup. Putain, j'ai pas pu. Ça rend dingue. Ça me tue. J'avais juste un. Sa barre était vide en fait. On voyait même pas le PV qui lui restait. C'est insupportable. Ouais, gauche test, c'est un Souls, donc effectivement, c'est un jeu difficile. Je regardais pas le jeu, je regardais le chat. Du coup, j'ai foncé dans le mob. J'ai pas dit tout, Sam. J'ai juste vu que. Scale les joueurs qui a le... Ah, ça se scale au joueur qui a le plus gros level. Ah, peut-être, ouais. Non. Le mode coopération. Ah non, c'est une affirmation. Non, c'est une question. Non, je l'ai pas regardé. Mode. Seamless. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas. En fait. Pour... Ça m'étonnerait, je pense que c'est plus que ça. Parce que à deux, bon, même si t'as une différence de niveau, à moins qu'elle soit hyper gigantesque, t'es avantagé quoi. Non, j'ai pas récupéré mes runes. C'est pas le moment de déconner. Ah, allez. Mode pour Seamless Coop.
Bon. Vraiment que je fasse gaffe à pas prendre de dégâts avant. Le mec dans le mode de difficulté. Ah non, je peux pas le dire ça. Mais bon, il a fait un truc bizarre. Ah oui. Ouais. Non, sinon, ils ont dit... Ouais, le mode, c'est 50% de vie encore en plus. En plus des bonus liés à la coop de base. Et 25% de damage. Mais quand même, hein. Je crois que t'as déjà le double en coop. Ah, il est passé dessus. Super, je suis morte. C'est bien beau hein, de te mettre des piliers, mais ils servent à foil en fait. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'ils passent quand même par-dessus sans problème. 25% de quoi il demande, Sam? Il a pas entendu. De dégâts. 25% de dégâts en plus, 50% de vie en plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Apparemment, le dernier boss, il dit « extremely high HP ». Quand même. Ouais, quand même, hein. J'ai pas le temps. Je vais pas faire ça du tout. Ah oui. Oh putain. Il y en a un autre bas de difficulté, il doit être monstrueux. Donc les ennemis font 55% de dégâts en plus. Ils ont 150% HP, 125 stamina et 100% de mana en plus. Allez. Faut que je me casse, là tu vas me taper. Ouais. De 1. Ils repop pas tous les deux, j'espère. Oui, et l'IA est bien plus mortelle et maligne, apparemment. Vas-y. Comment elle peut être plus maligne? Ils se cachent, ils sont plus rapides. Ils évitent plus souvent. Putain, allez! Faut juste que j'ai petit popo là. Je peux pas essayer, j'en ai marre. Chaque fois que j'essaie de mettre du point de popo, le temps que je la prenne, je meurs. Allez. Ah, je l'ai eu, mais j'ai. Oui. Je savais pas si tu râlais parce que t'étais mort. Je disais, non, pas si près des buts. Non, c'est pas possible. Je crois que t'as une super cendre d'armes, d'ailleurs, il me semble. Mais sur Aladdin, on était envoyé direct en enfer. La cendre là, faudrait que tu l'essayes. Elle est super.
Oh punaise, j'ai à toi, merci. Salut Princesse Talia. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas vu du duel de Lenny sur cette chaîne, toi. T'arrives sur une fois, let's go en fait. Bravo. C'est ton arrivée, Princesse. On sort pas mal avec les bases d'ici pour le moment. C'est grâce à la distance. Mais putain, waouh. J'en pouvais plus. Je voulais le passer ce soir, j'aurais pas voulu ne pas y arriver. J'ai combien? Passer le temps, faut que j'arrête de passer le niveau. Oh, j'ai 200 et quelques. Ah oui, d'accord, ouais, il rapporte pas mal quand même. Bah, j'étais obligée de mettre en inté pour faire les gros sorts, non? C'était ça les très gros sorts de fou. Après, Sam, tu peux te foutre niveau genre 150 et. Ou niveau 100, tu vois, et commencer en New Game Plus direct. T'amuser? Elle est soufflée, elle est. Plus ou moins toutes les armes. Fatigue. C'est quoi que t'as? Ah oui, tu vas prendre un niveau. Bon, merci, c'est l'anti-princesse, parce que depuis qu'ils sont plus rouges, les gens sont perturbés. Hein. Ouais, j'hésite à mettre en intel pour essayer d'avoir des sorts mieux. Parce qu'il me semble que. T'as vu ton sort, il est pas mal en intel en vrai. Le... Il est pas mal, mais il y en a pas un qui est au-dessus justement de celui-là. Si, il y en a des meilleurs en termes de coups en mana et tout. Mais c'est qu'après, c'est des sorts uniques à use et tout ça. Le truc, c'est que celui-là, il est tellement parfaitement adapté avec la flasque spéciale que tu uses qui fait que pendant X secondes, tu consommes plus de mana. T'auras du mal à trouver mieux. Et en plus, tu peux pousser le vice maintenant. Maintenant que tu sais que t'as ça, t'as la flasque, t'as tout, là, ça veut dire que tu peux probablement mettre tout le stuff possible et imaginable pour augmenter un peu tes dégâts magiques. Je dis juste en buzz, donc trouver un casque qui augmente tes dégâts magiques, trouver peut-être un buff qui augmente tes dégâts magiques, claquer une rune. Et comme ça, t'arrives au début des boss et tu peux leur faire un super burst dès le début, tu vois. Là, je suis presque sûr qu'il y a moyen que ton rayon fasse 50% de dégâts en plus que ce qu'il fait là, juste avec quelques buffs, le bon équipement, peut-être un truc ou deux à changer, tu vois. Et du coup, tu pourrais faire des débuts de combat qui seraient super favorables. Je pense que pour faire le fameux build one shot, il faut aller beaucoup plus loin dans le truc. Il faut tous les buffs au poil de cul, peut-être des talents complètement, tu sais, parfaitement pensés pour, bien comme il faut. Une certaine arme peut-être qui, quand tu la uses, te donne un buff magique. Enfin, faudra peut-être pas faire tout ça. C'est pas marrant de se spoil pour un truc qui one-shot. Mais trop, juste profiter du truc que toi t'as trouvé et que t'as disponible, juste pour faire des beaux engages sur les boss, tu vois. Ouais, bah tous ceux qui esquivent déjà, c'est mort. Tout dépend de la pièce dans laquelle tu te trouves, tu vois. Parce que ça fait... Là, je suis presque sûr que le gros, quand tu le mettais middle vie, si ton sort avait fait un peu plus de dégâts, il y a des fois tu l'as mis à peut-être 40-35% PV sur un bon burst sur certains pools. Il y a moyen que tu aurais limite pu le tuer. Quoi. J'hésite alors, je sais pas trop dans quoi mettre. Sinon, je mets en dextérité pour pouvoir. Parce qu'en fait, là, j'ai pas assez de points en dextérité pour utiliser ma l'autre grosse épée, tu sais. Et c'est grâce à mon casque que j'en ai. Mais du coup, ça me permettrait peut-être de mettre un casque plus utile si je mettais des points en dex. Ouais, carrément. Je sais plus, quoi, je vais regarder. 1, 2, 3. Ouais, je vais regarder. Ça donne pas énormément les. Oh merde, ça donne 2, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais juste regarder. Mais évidemment, je me trompe de touche. Parce que t'as peut-être même un bijou. T'as peut-être même une amulette ou je sais quoi dans le jeu. Peut-être qui augmente tes dégâts magiques de X% en échange de. Ouais, c'est ça, ça me donne 2 points de dex. Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis, puisque là, basiquement, j'ai un casque qui me sert que à avoir ça, quoi. À pouvoir switch facilement d'une épée à l'autre quand je veux. Ouais. C'est peut-être un peu gâché. Mais après, les casques, j'ai l'impression j'aurais pas non plus du miracle avec un casque, quoi. Mais bon. Et c'est quoi le mélange de ta flasque? T'as mis le shield? Le shield aussi, ouais. Parce que je trouve que c'est quand même, ça sauve tellement. Et tu peux peut-être mettre un autre truc, du coup, maintenant. Tu mets un... Ça se trouve, un autre truc qui augmente tes dégâts magiques encore, tu vois. Il y a peut-être moins de tricher, enfin... Bah, dans ma fiole, non. Mais en talisman, par exemple. Mais dans ma fiole, j'ai que deux emplacements. Ouais, mais t'as... Non, mais justement, tu mets... Mana infinie plus un autre truc là. Tu sais, ça se trouve, il y a moins de. Parce que moi, je sais pas, tu profites. Le shield, non, est le tellement... shield est bien, mais. Le shield, il est utile parce qu'il me permet de continuer mon. Parfois. Et d'après moi, t'as pas. Je sais pas. Ouais, non, je suis d'accord, mais. Bon, je mets un point en dex déjà, de toute façon. Peut-être, oh, je peux peut-être en mettre un deuxième. Ouais, il me manque que 20 000. On va faire t'as ça. T'as pas des petits trucs à use là? Oh mince, je me trompe de touche. Si, si, j'en ai plein. Je les utilise jamais. Toi, tu faisais comment? Moi, je l'utilise que quand j'ai besoin de. Bah, comme là. Ouais, bah, en théorie, tu fais ça. Et après avoir fait New Game Plus, j'ai tout use. Genre, j'ai raté 10 niveaux. C'est stupide. Putain.
Bah t'en as qui font 50 000 à la fin et tu les cumules. Je suis sûr que t'as en 4 là, ils font 50 000. Bah t'en as claqué qui font des combien, j'ai pas vu. Alors ça faisait 18 000 pour 3. Ah putain, t'as des 6 000 déjà. Ouais, ah t'étais loin, tu vois, t'avais au moins, t'en avais 8. T'avais 8 étapes de plus. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est que c'est pas du tout mes derniers. Hein. Non, c'est là, moi j'ai les derniers, je sais même pas combien c'est, mais j'en ai 4 des runes du Seigneur. Je crois que c'est 50 000. Mais je le ferai un de ces 4, peut-être pour m'aligner. Moi j'ai fait ça en New Game Plus, mais bon, j'étais con, ouais, j'aurais dû les faire avant. Un peu de gâchis. Ah, et les cendres des boss, tu les utilises pas? Non. Vas-y, vas-y, tu les utilises là. Mais ça sert à quoi? Bah, avoir une arme unique. Oui, mais moi j'ai déjà mes armes, alors d'accord, super, j'ai des trucs, j'en ai d'autres, mais je vais jamais utiliser. Tu t'en fous, c'est une arme cadeau? Oui, mais voilà, moi je sais très bien que je vais pas utiliser. Mais il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont vraiment pas mal et rigolotes. Elles sont jamais utilisées en tant que mage. Bah, qu'est-ce que t'en sais, enfin, tu peux tout faire. Bah, je sais, parce que au bout d'un moment, à force de pas faire des dégâts, j'ai dû me renseigner sur mes builds. Et c'est les trois mêmes bâtons qui reviennent. Et les épées, il y en a un peu des différentes, mais c'est pas. Je crois que ce qui peut être bien, c'est pour certaines armures. Je crois, mais je sais pas lesquelles, faut que je me renseigne. Dextérité. Voilà, comme ça il me restera 3000, c'est parfait. Comme ça je peux les perdre, je m'en fous. Arme armure de boss, c'est super, celle de Radahn est top. Mais Radahn, je pense que j'utiliserai pas. Déjà, elle est full force ou un truc comme ça, elle donne des bonus en force ou des trucs dans le jour, je crois. C'est passé en armure lourde, surtout. Oui, mais mes armures sont lourdes. Hein. J'ai fait tout le reste est léger, mais j'avoue que l'armure principale, je fais en sorte de pouvoir la mettre un peu lourde. Bon, pas la. Non, mais tu peux mettre des trucs lourds hein, en restant médium. Oui, c'est ça. Du coup, je peux peut-être mettre un autre casque alors, mais par contre, lequel? C'est quoi celui-là? Augmente la puissance liée aux bulles. Hein? La puissance des compétences liées aux bulles. J'ai pas de bulles. Tu l'as pas ce bâton? Un bâton qui fait des bulles? Ouais, tu l'as pas? Non, j'ai pas, non. Mais. Pourtant, t'étais à Mélania, t'as fait l'arbre. Ouais. Bah, tu le rencontres au début, le gars qui te fait ce bâton. Un gars qui te donne un bâton? Ouais, bah, un mob, mais. Tu bah, il te donne peut-être pas forcément. Après, j'ai plein d'armes, hein, j'avoue. Si, c'est un genre de mini-boss. Bâton éclatateur, bâton radium humain, bâton excavateur, bâton excavateur, bâton revers, bâton météorite, bâton du prince de la mort. Non. Saut des géants. Non. Ah, j'ai saut de l'arbre monde. Est-ce que c'est un saut qui fait ça, peut-être? Montre, c'est quoi le saut de l'arbre monde? Non. Non, c'est. Oh, je crois que c'est un genre de bâton. Un bâton? Et il fait des bulles. C'est ça, c'est rigolo. Bâton de l'académie, si attends, bon ça c'est les premiers, astrologue. Puis après c'est plus tes bâtons. Bâton qui fait des bulles et des musiques, quand les bulles éclatent. Ah non, j'en ai pas eu comme ça, j'aimerais bien. Un bâton qui fait de la musique, ça me plairait de fou. Parce que c'est joli la musique qu'ils font tous. Merci Infernalou. Ah j'avais pas vu, très bonne nuit, des bisous. Merci petit Infernal, bonne nuit. Bon. Ça fait quoi? Il y en a en fait, ils font juste rien. Ah, c'est quoi ça? Porté par les gladiateurs. Ça attire l'attention des ennemis. Bon, c'est super. Ça reste des trucs pas terribles. Oui, j'imagine que c'est pour la collègue, quoi. Protection contre le poison. Augmente la force. Moi je veux un truc qui augmente la magie. Il recèle un écho de foi résiduel. On s'en fout ça, la foi là, ça bon là au bout d'un moment. Sinon je mets un bâton, un truc comme ça. On renforce les incantations. Les aspects du creuset. J'ai pas d'incantation du creuset moi.
Undoslo. Le problème, c'est que les casques, en fait... Je crois que c'est long comme de l'émissaire, Lox. Ils sont tous nuls. Ça te parle? T'as long un item qui s'appelle comme ça. C'est une arme. Ouais, et tu l'as quand tu es au tout début de l'arbre. J'avais essayé, je l'ai trouvé rigolote et je l'ai trouvé pas si mal. Mais bon, j'étais très très axé force, donc j'ai laissé tomber. Et c'est un bâton ou c'est autre chose comme arme? Non, je crois que c'est autre chose, ça ressemblera à autre chose. Alors je vais regarder d'autres trucs, dans d'autres catégories. Faudrait un système de recherche. The Cita la capuche. En fait, justement, celui que t'as fait la capuche, je crois qu'il fait le bâton. C'est à côté. Bah pour le moment, je vois pas. Hein. J'avoue que c'est... Ah, je viens d'aller trouver en fait. C'est une chance. Quand tu tues ces ennemis-là, les ennemis bulles, ouais. Ils ont une chance correcte de la drop, apparemment. Ah bah voilà. Moi j'ai pas eu cette chance. Il y en a pas énormément des ennemis comme ça, c'est que j'ai dû avoir de la chance. Et en fait, je le savais pas, mais t'as trois armes comme ça, de différentes tailles. Et en fonction de l'ennemi que tu tapes, bah, il peut laisser tomber son arme en question. Ouais, d'accord. Ok, mais je me demande si toi, avec ton build qui est très axé intel et tout, je me demande non, ça si ça peut être... Ah, c'est pas ce... Ah, j'ai un canon, genre. Mais non, rien à voir. Non, bah non, je l'ai pas. Le canon, j'ai vu, il y a plein de mecs qui s'en servent pour... vendre des objets. Les mais moi joueurs. Je vends pas les objets, j'ai pas besoin. Ouais, c'est trop bien d'être tous. Ouais, je les ai tous, c'est bon, vas-y là, laisse-moi tranquille. Mais le problème, c'est passé en double. Le problème, ah, c'est ce que j'ai juste au-dessus, merde, il avait. Il y en a trois d'ailleurs, d'accord. Un tout droit, genre flûte qui fait des bulles, un peu d'ordi qui fait des bulles et un genre qui fait des bulles. Putain, je veux trop le trombone, trop stylé. J'ai passé un temps infini pour juste looter quasi toutes les armes items, d'accord. Bon, faut quand même que je trouve un autre casque, ouais. Mais en fait, ils sont pas ouf les autres. Ouais, c'est un bouton qui vend tous les doublons, c'est pas de parent. Quoique, ah oui. En fait, il y a des mecs qui ont des builds avec deux fois la même arme, donc en vrai, ça. Genre, ils doivent attendre New Game Plus pour ça ou que ce soit des armes. Oui, c'est vrai. Bon, tu peux mettre quoi d'autre du coup? Bah, ouais, niveau casque, c'est pas fou parce que bah, quand je regarde les passifs, bah, pour le moment, je ne trouve pas beaucoup qui augmentent la magie. Ouais, on regarde juste les passifs de tous là. Toi, tu vas vite. Ouais, non, mais j'ai regardé déjà quasiment bah, tous ceux qui sont un peu spéciaux. J'ai pas regardé, j'avoue, ceux des. Ouais, des fois ça peut être un casque à la con. Hein. Ouais, peut-être. Tiens, ça par exemple. Il y a bientôt un tiers, les photos avant tes vanilles. Dissimule le regard. Moi, j'imagine que ça fait rien. Augmente la foi. Juste un casque, augmente la foi. Ah, le truc qui augmente la foi, ça y en a un! C'est parce qu'elle a faux. Pas la foi. J'ai pas la foi. Augmente la dextérité, mais l'étude la focalisation. Peu importe sa robuste. Ah! Conçu pour servir les sorciers. Ah, mais non, c'est pas ça. Mais je sais pas du tout lequel utiliser, comme il y en a pas pour moi. On te la voit. Ah, tiens, c'est rare, hein. On sort progressivement les PV du porteur, parce qu'ils sont très bas. À la limite, c'est peut-être le plus intéressant, mais bon. Ils protègent moins, quoi. D'accord, bon bah ça... Il y en a où ils font rien, j'imagine, ils ont un lore, c'est fantastique, mais ça fait rien. T'as pas le casque de mage un peu à la Gandalf? Tu l'as pas, celui-là?
Bah, être léger, ça va être tout en haut, parce que ça va être léger. À la Gandalf, c'est des sortes de capuches, quoi. Ouais, monte tout en haut. C'est dans les en fait, j'en ai pas mal, des capuches, c'est ça le truc. J'en ai des blanches, des bleues, des marrons, des grises. On augmente l'ésotérisme. Oh, ça peut être intéressant, éventuellement. J'essaie d'en voir, ouais, c'est les sangs de chair en plus, c'est ceux que t'as buté. Les sangs de chair. Ouais, c'est les deux. Vas-y, bon, je cherche vraiment un truc à la Gandalf en chapeau de sorcier, tu sais, blanc ou gris, vraiment. Bah là, là, c'en est un peu ça, par exemple. Hein. Ah, mais c'est quand même. Attends, c'est le décalage. C'est le sanctu chier. Ah, ouais, il y en a un. Un marron, là. Noir. Oh. Mais ça fait rien, en fait. Enfin, ceux-là, je pense que. Bon, je remonte. Alors, il y a le bandeau de sujet qui fait rien. Truc abîmé, truc abîmé. Voilà, c'est augmente l'intelligence au détriment de l'endurance, éventuellement. Au détriment des PV. Dans ce cas, t'as celui de Renala qui est parfait. Alors. Mais bon. Faut l'acheter ? Non, c'est pas incroyable. Le nom, je crois que tu l'as battu, je crois. Ah oui, si, peut-être tu l'achètes, ouais, du coup. J'ai pas acheté. En force, les sorcelleries d'épines. Mais c'est, je sais même pas lesquelles c'est. Y'a pas non plus. Il y en a plusieurs, hein. Augmente les sorcelleries de. Allez, augmente. Ah oui, tu l'as Drenala. Augmente l'intelligence, bon. C'est 3 d'intel. Allez. Voilà, c'est celui-là. C'est celui de Renala. C'est super. Vraiment. Mais moi, j'ai toujours un swag hein, dans les jeux. Bon, ça fait 5 minutes que je cherche ça. On a fait des boss. C'est fantastique. On a utilisé nos runes. C'est aussi fantastique. Un skin parfait. Franchement, j'ai déjà eu pire. En fait, idéalement, il me faudrait ça même. Parce qu'il faudrait me protéger mon pauvre petit corps chétif et du coup celui-là c'est mieux. Voilà, là c'est plus parfait je trouve. Il y a un sort qui s'appelle Domaine Magique qui augmente la puissance des sorts de 35% pendant 30 secondes. Un sort qui augmente des sorts, ça ne dit rien. Pas ça. Mal. Grave. Pour être pas mal pour. Ça fait une couille et une bite. J'avoue, il y a un tout petit peu de ça, peut-être. Mais c'est moi, c'est l'armure qui me protège la mieux, alors... Hein, alors je prends, hein, je suis un petit machétif. Hein. Ouais, je vais vérifier que je roule toujours bien. C'est sûr que tu l'as, déjà. J'avoue, j'aurais pu regarder. Non, pas les dogos. Je les déteste. Parmi les mobs nuls, c'est les plus chiants. Après, parmi les mobs qui sont pas des boss... C'est quoi ton sort, ton bâton tu utilises le bâton météorique, je crois. Attends, je vais te dire ça. Ah non, bâton d'éclat de Lusa. Ok, ouais. Tu l'as amélioré à fond. Il est à niveau 10. Je sais pas comment ce que c'est à fond. Je pense que c'est des pierres de forge. Ouais, je pense que c'est à fond, 10. Je crois que je peux plus, il me propose plus jamais. En tout cas, faudrait ouais, que je retourne encore une fois, mais... Non, parce que, en fait, les trucs que tu peux améliorer à 25, c'est les armes pas... Pas spéciales. Pas uniques, ouais, c'est ça. D'accord. Et il faut les pierres de forge oui. Tout court. Ah, d'accord. Ah, c'est juste des pierres de forge basiques, alors. Ouais.
Et ça me surprend que tu mettes toi un petit bouclier en mage. Bah non, j'ai trop besoin de mon épée. Et là, si je mets un bouclier, je suis lourde. Ouais, d'accord. Ou alors, je prends un équipement qui me protège moins, quoi. Et encore, trois armes, je crois que t'es lourd très très vite. Hein. Sachant que j'en ai une petite. J'ai une petite épée en plus. J'ai une petite épée en plus qui me fait un petit buff. Du coup, je la mets avant. Je mets son sort avant. Montre-moi les boucliers un petit peu que t'as, juste par curiosité. T'as celui de la méduse là. Même moi je l'avais utilisé celui-là un moment, bon c'était tout pourri. Bouclier de la méduse, ouais je l'ai. Il fait quoi? Regarde le bonus, je sais que c'est un truc qui a la magie. Compétence unique, fureur contagieuse. Vous faites appel au courroux de la méduse et laissez sa fureur se propager en vous. Augmente la puissance d'attaque pour une courte durée. Bon voilà, trop bien. Bouclier de la méduse, je vais regarder comment ça fait. Campez fermement derrière votre bouclier, vous jetez tout votre poids sur vos ennemis sans pour autant abaisser votre cœur. Un grand bouclier trouvé dans les ruines. Bon, nanana, au point nord des gars. Sa compétence augmente tous les dégâts de 20% durant 30 secondes. Ok. Ah, c'est le masque. Masque d'éclat d'azur ou je sais pas quoi. Tu l'as pas ce masque avec un truc bleu sur la gueule? Montre-moi les casques. Masque de pierre d'éclat d'azur. Celui-là? T'as tout toi. T'as des trucs bien. Ah non, j'ai pierre d'éclat bicéphale et pierre d'éclat de Carolos. Mais j'ai pas d'azur je crois. Bah il serait à côté en fait, j'imagine. Ouais. Le truc c'est qu'ils enlèvent. Voilà, ils te donnent un bonus mais ils enlèvent en même temps un autre truc. Alors c'est pour ça que je prends pas mais. Puis là, ouais, c'est ça, il augmente l'intel au détriment de l'endu. Non, j'ai bicéphale et carolo. Donc il y en a encore un alors, je savais pas. Je pensais avoir la collecte. Oh, c'est joli ici, hein. C'est beau. J'adore. Il y en a encore deux même. Ah, d'accord. Tous dans le... Ça tombe ou pas ta... Ouais, c'est ça. Oui, j'ai pas insisté pour looter. Effectivement, j'ai insisté pour avoir aucun loot. Sauf si un casque au tout début qui me faisait un petit bonus d'intel. Et moi, j'en avais un qui me faisait un bonus d'endurance, ce qui ne... Waouh ! Ce qui ne m'arrangeait pas. Oh, les petits bêtes de terre. Vite popo. Mais j'imagine que tous ces masques-là, c'est à l'académie. Ah oui, tous vers l'académie, oui. Ça marche. Ouais, après, pour Malenia, je pourrais essayer d'avoir un build un peu le plus opti possible et je pourrais effectivement... Tenter un de ouais, défoncer. Hein. Complètement, ouais. Hein. Parce que bah, je sais que c'est un boss. Et là, faudrait quitter le casque azur. Parce que c'est. En gros, je cherchais. Parce que je cherchais. Oui, ça fait quoi, qu'il y a des casques qui augmentent le style épine, le style machin. Oui. En fait, je suis allé voir et il y a tous les types du jeu. Et donc, j'ai regardé Comet Azur. Je me suis dit, bon, casque azur. Et oui, donc, oui, il y a écrit que ça augmente bien les sorts de dégâts azur. Donc, c'est dû à mon bâton alors? Ou c'est dû à des sorts qui s'appellent azur? Parce que par exemple, j'ai la Comète d'Azur. Ah, pour faire le build one shot, ah bah il y a plein de choses, mais ouais, bah c'est ça, comète d'azur, voilà, bah c'est ça. Tu vois, mais c'est ouais, ça mais que je sais que ça, imaginons pour certains boss comme Mania, je sais que je vais pas utiliser. Bon, après, tu t'en fous, tu swap d'armes et tout, c'est bien d'avoir du swap au pire, c'est pas grave, tu vois. Bah, c'est que si t'en as te renseigné. Non, mais tu swap de stuff avant, je veux en dire. En vrai, si t'en as te renseigné, est-ce que tu peux voir pour l'épée que j'avais avant, si pour les sorts liés à l'épée que j'avais avant qui fait très mal, tu sais. C'est l'espadon de la lune obscure. Est-ce qu'il y aura un truc pour la lune? Je regarde. Merci, c'est gentil. Oui, non mais t'as raison, Sam. Ça doit... enfin, de toute façon, à l'académie, bah, ça doit dépendre du type de mage que tu vas tuer. Donc, bah, faut juste savoir quels sont ces mages pierre d'éclat, là. Et puis,
C'est marre. Non, c'est une compétence unique. Ok. Merci, merci. L'épée du clair de lune. C'est lune obscure, je crois. Ouais, c'est ça, c'est lune obscure, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de lune, machin, dans ce jeu. C'est l'arme la plus emblématique du jeu vidéo. Ah ben ? À cause de Dark Souls, l'histoire. Ah oui, d'accord. Cette épée du jeu existe en fait depuis 27 ans. Elle a été dans tous les Souls en fait. Ouais, c'est ouais. Rigolo ça. C'est la Master Sword d'Elden. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour le casque, le truc, le domaine magique là, je sais pas si tu l'as, faudrait que tu regardes. Ouais, là je voulais tenter un truc vu que j'avais pas beaucoup de runes, je m'en fichais un peu, j'aurais pas dû. Mais ouais, regarde si t'as le sort domaine magique. Ah oui, t'as raison. Un bonhomme bleu qui tient une lance, on dirait qu'elle est debout. C'est possible, regarde. C'est possible. Ça se trouve, celui-là, ça fera des trucs. T'as le shield, donc c'est machin, il faudrait juste le casque, quoi, et puis après, bon, c'est déjà pas mal. Alors, lucidité, non, c'est un bonhomme, tu c'est l'as... ça. Attends, je crois que tu l'as, non? Là, j'ai en plein milieu, c'est tout bleu. Au-dessus de ton sort croix noir, il y a un sort tout noir, une planète noire qui a une croix placée au-dessus. De ah oui, alors ça me fait une petite lumière autour au-dessus de ma tête. C'est juste ça. Voilà, bah c'est ça. C'est 30% 35% de dégâts en plus pendant 30 secondes. Quoi? Ouais. Ah non, lumière stellaire, non. Merde, non, il a juste le même skin. Ça illumine les environs, vous pouvez lancer. Ouais, il a juste le même skin, my bad. Moi, je peux le mettre. Hein. Comme ça, j'utiliserai ça au lieu d'utiliser ma torche. C'est les mages un peu nuls, là, qui veulent absolument montrer qu'ils sont mages. Attends. Chut. Mais j'ai une lampe torche. Non, mais attends. Attends. Ils disent que, putain, ce sort, tu l'as au tout début du jeu. Je suis en train d'aller voir, là. C'est à... Ah, peut-être, hein. Après, il y en a que j'ai pas acheté. Raya Lucaria, il dit juste à côté. Empruntez le très long ascenseur derrière le boss, il va vous emmener au sommet d'une immense tour qui surplombe le donjon de l'académie. Le sort se trouve dans un coffre sur place. Ah mince, on voit pas ici. Attends. Hop. Voilà. Dis, vas-y, vite. Tu peux aller vite faire Raya Lucaria. Le récupérer. Ah, mais attends, j'utilise mon sort. Alors, oui. Ah, c'est joli. Oui. C'est voilà. Incroyable. C'est bien, hein. J'ai cherché mes runes d'arrivée. Ouais, tu peux aller chercher vite fait et voilà. Ah, mais y'a un truc là. Putain, une rune du seigneur encore. Incroyable. Arrête. J'imagine qu'il va me falloir des runes pour acheter ça. Quitte à l'air Raya Lucaria. Oui, c'est vrai, autant chercher le masque. Attends, je me fais ça pour les désagros. Et hop, alors. Oui, au pire, tu pourras prendre le masque au passage. Raya Lucario. C'était là. Alors, où est-ce qu'on se fout? Dans la bibliothèque où il y a Reyna là? Non, ça doit pas être elle. Mais c'est dedans, quoi. C'est dans Raya Lucaria, c'est ça? Je vais aller à la bibliothèque. C'est au... Ils disent quoi? C'est un peu grand, il y a un peu de monde. Emprunter le long ascenseur derrière le boss. Bon allez, je vais arrêter la VOD d'ici. Bisous VOD, on va aller chercher un peu les trucs qui nous manquent et puis j'en ferai une quand on aura un build. Des bisous. On viendra plus tard. Voilà.